Dieu, Dieu d'amour, Père infiniment bon, celui-là qui nous a aimés le premier, nous voici tes enfants devant toi, Seigneur, pour te dire en retour que nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'aimons, non pas parce que tu as fait quelque chose dans nos vies, nous t'aimons, Seigneur, tout simplement. Parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu as été le premier à nous aimer à la croix, Seigneur. Alléluia. Oui, reçois ce chant, reçois tout ce qui émane de nos cœurs. Oui, Seigneur, sonde de nos cœurs, vois l'amour qu'il y a dedans. Oui, parce que nous avions cherché, Seigneur, partout. Nous avions cherché la paix, nous avions cherché l'amour, la joie. Mais ce n'est qu'en toi, ô Seigneur Jésus, que nous avons trouvé toutes ces choses. Regarde-nous, regarde l'amour qui est dans nos cœurs et reçois ce chant comme une lettre d'amour, ô l'époux de nos âmes. Alléluia. Merci papa, merci. Je t'aime.
tu as su combler. En toi j'ai l'amour parfait, le Père qu'il me fallait. Laisse-moi te dire combien je t'aime. J'ai longtemps erré, longtemps cherché cette paix. Tu es venu et ce vide tu as su combler. En toi j'ai l'amour parfait, le Père qu'il me fallait. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Bogonala Yesu, Bogonala Yesu, Bogonala Yesu, Yesu. Tu nous as commandé, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre force. Reçois notre amour pour toi. Regarde nos cœurs. Vois notre cœur, Seigneur, qui ne bat que pour toi. Regarde, Seigneur, chaque battement de nos cœurs qui exprime, Seigneur, ta vie qui est en nous. Reçois, Seigneur. Reçois cet amour. Merci, merci. Oh, alléluia. Merci, Père. Merci. Mmh. Amen, Seigneur, vois mon cœur qui ne bat que pour toi. Je veux juste dire que je t'aime. Est-ce que c'est quelqu'un peut dire au Seigneur combien il aime? Alléluia. 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 Alléluia.
toi qui es là en ce moment et qui te sens aimé de Dieu, de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. De là où tu es, prends juste un instant pour laisser ton cœur dire à Dieu, « Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. » Bien-aimé, bienvenue à ce temps d'adoration. Toi qui es là et qui nous entends en ce moment. Toi qui es connecté en ce moment. Tu n'es pas connecté seulement avec tes frères en Christ, mais tu es connecté avec Dieu. Amen. Tu es en connexion avec ton Dieu. Tu es en connexion avec ton Créateur. Il est venu te combler. Laisse ton cœur dire à ton Dieu combien tu l'aimes. Et tu peux déjà partager autour de toi. Partage à tes contacts. Partage cette vidéo. Partage ce direct. Permets à quelqu'un de dire à Dieu combien il l'aime. Permets à quelqu'un de recevoir l'amour de Dieu en abondance en ce moment. Alléluia. 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 Amen. Et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés, nous sommes là, ici et maintenant, pour consacrer nos vies au Seigneur. Tu peux déjà, au fond de ton cœur, ou même parler à Dieu et lui dire, « Oh Seigneur, merci pour ce temps. » Parce que ce n'est pas du hasard, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas connecté sur la radio Miséricordia pour rien. Tu n'es pas connecté en cet instant pour rien. Tu es là parce que Dieu veut que tu sois là. Et s'il veut que tu sois là, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Tu peux déjà laisser ton cœur exprimer combien tu aimes le Seigneur. Lui qui nous a donné tout son amour. Oh Dieu, notre Dieu. Reçois notre amour. Reçois l'expression de notre amour pour toi. Toi qui nous as aimés le premier et a donné ta vie pour nous. Que pouvons-nous te donner, Seigneur, en retour de tous tes bienfaits? Seigneur, toute une vie ne suffirait pas pour te dire merci. Mais nous voulons laisser nos cœurs t'exprimer, Seigneur, tout notre amour. Et te dire, Seigneur, que nous te sommes reconnaissants, Jésus. Sois élevé, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans nos vies, Seigneur. Et pour cela, nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever car tu es Dieu. Tu nous as tout donné, Seigneur. Tu nous as tout donné, comment ne pas te louer? Alléluia. Je veux t'adorer de tout mon cœur.
et je veux comme un parfum d'agréable odeur. Reçois.
Seigneur Père éternel,
pour déclarer, Seigneur, majesté à ton nom, au roi de gloire, Seigneur des seigneurs, éternel Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es le commencement et la fin. Seigneur, tu vois la fin avant le commencement. Seigneur, tu es éternel et tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oh, c'est toi que nous voulons élever et adorer, Jésus. Nous sommes là devant toi pour te dire majesté, Seigneur. Majesté, roi, oh Seigneur, le fond de ton vêtement remplit ta maison. Adonai, sois élevé. Gloire, honneur et puissance au Dieu très. Tu m'emmènes.
Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Manifeste-toi je encore, veux Seigneur. Une autre dimension de toi. Profondeur avec ton Dieu. Laisse ton cœur s'exprimer. Laisse l'amour de Dieu t'envahir en ce moment. Laisse l'amour de Dieu t'envahir en ce moment, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu vis. Maintenant, Jésus t'aime. Laisse le Seigneur entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Nous voulons aller là où tu veux, Seigneur, dans la dimension des enfants de Dieu. Dans la dimension où, Seigneur, la chair n'a plus de pouvoir. Oh, Satakara, la dimension où l'homme, Seigneur, n'a plus de pouvoir. La dimension où seul, Seigneur, ton amour règne. La dimension, Seigneur, où seul ta voix parle, Seigneur. La dimension où seul, Seigneur, tu es élevé. La dimension, Seigneur, où seul tu es adoré. Oh, parce que tu es Dieu et tu règnes à jamais. Oh, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta Seigneur notre Dieu, parce que lorsque tu es là, tu nous fais du bien. Seigneur, quand tu visites tes enfants, tu parles à leur cœur. Et la Bible dit, Seigneur, que la parole qui sort de ta bouche ne revient jamais à toi sans effet. Elle ne revient jamais à toi, Seigneur, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous voulons entendre ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole féconde nos cœurs. Oh, Saint-Esprit, viens nous disposer. Viens disposer nos cœurs à écouter ta parole. Et surtout, Seigneur, à la pratiquer. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Saint-Esprit, viens briser en nous toute opposition à ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'enlever toute lourdeur en nous. Tout ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur, de comprendre ce que tu dis et de faire ce que tu veux. Oh, Seigneur, sois béni, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu dans le deuxième livre des Chroniques. Au chapitre 12, les versets 1 à 8. Alors que sa royauté s'était établie et affermie, Roboam abandonna la loi de Yahweh et tout Israël avec lui. La cinquième année du règne de Roboam, le roi d'Égypte, Sheshong, marcha contre Jérusalem, car elle avait été infidèle à Yahweh. Avec 1200 chars, 60 000 chevaux et une innombrable armée de Libyens, de Sukiens et de Cushites qui vint avec lui d'Égypte, il prit les villes fortifiées de Juda et atteignit Jérusalem. Shemaïa le prophète vint trouver Roboam et les officiers judéens qui,
devant Shishong, s'était regroupé près de Jérusalem et il leur dit: ainsi parle Yahweh, vous m'avez abandonné, aussi vous ai-je abandonné moi-même aux mains de Shishong. Alors les officiers israélites et le roi s'humilièrent et dirent: Yahweh est juste. Quand Yahweh vit qu'il s'humiliait, la parole fut adressée à Shemaïa en ces termes: ils se sont humiliés, je ne les exterminerai pas. Sous peu, je leur permettrai d'échapper, et ce n'est pas par les mains de Shishong que ma colère s'abattra sur Jérusalem. Mais ils deviendront ses esclaves, et ils apprécieront ce que c'est que de me servir et de servir les royaumes des pays. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais cette parole est pour moi le principe de la marche avec Dieu. Le principe de la fidélité à Dieu. La Bible dit dans ce passage que Roboam, son règne s'est établi. Son royaume s'est établi. C'est-à-dire que Dieu a pris le temps de choisir un roi qu'il a fait asseoir. Et une fois qu'il a fait asseoir, le roi a commencé à prendre ses... Comment on dit? Il a commencé vraiment à prendre ses ailes. Il s'est dit: voilà, maintenant je suis arrivé. Je peux faire ce que je veux. Et souvent nous le remarquons dans notre propre vie, hein? Il y a des personnes qui vivent des situations difficiles. Quelqu'un qui cherche par exemple un travail, il galère tous les jours, il est à l'église. Tous les jours, du matin au soir, il prie, il prie, il prie, il prie. Il nettoie l'église, il fait tout à l'église. Une fois que le Seigneur lui a donné le travail, c'est fini. On ne le voit plus à l'église. Mais mon frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? J'ai plus le temps. Ma soeur, mais on ne te voit plus. Aïe, j'ai plus le temps vraiment. Le travail me prend tout mon temps. Eh, bien-aimé, le travail là, quelqu'un te l'a donné. Et celui qui te l'a donné, il a le pouvoir de le reprendre parce qu'il est Dieu. Alléluia. On ne peut pas être orgueilleux devant Dieu. Même si le Seigneur te donne un travail qui te prend du temps, si tu demandes au Seigneur: mon Dieu, ce travail me prend beaucoup de temps, mais je ne veux pas laisser tomber mon intimité avec toi. Lui qui t'a donné ce travail, il saura comment s'arranger pour que tu aies du temps pour lui. Mais ne prends pas ce travail comme prétexte pour dire que tu n'as plus de temps pour Dieu. Ne prends pas ton mariage comme prétexte pour dire que tu n'as plus de temps pour Dieu. Ne prends pas la grâce de l'enfantement que le Seigneur t'a donné comme prétexte pour dire que tu n'as plus de temps pour Dieu. Parce que si il t'arrivait malheur, tu reviendras encore pour dire à Dieu: Seigneur, fais quelque chose. Et comme il est fidèle et bon, il fait toujours. Mais nous, comment est-ce que nous comportons vis-à-vis de Dieu? Dieu n'est pas une machine à miracle. Dieu n'est pas un guichet, un guichet automatique. Où tu viens, tu appuies, il te donne. Où tu viens, tu claques du doigt, il te donne. Non, la vie avec Dieu n'est pas de la magie. La vie avec Dieu n'est pas de la magie. Certes, notre Dieu est miséricordieux et bon, mais il attend que nous soyons fidèles. Il attend que nous soyons fidèles avec lui. Le Seigneur nous aime tellement que parfois il permet les épreuves dans nos vies. Comme il a dit dans sa parole, c'est pour que nous comprenions c'est quoi la différence entre servir Dieu et servir le monde. Parce qu'il y a une nette différence. Quand tu commences à t'attacher aux choses du monde, oui, mon travail me prend du temps. Quand je finis le travail, je dois aller à la maison. Hein, je dois m'occuper de ma famille. Les dimanches où tu allais à l'église, il y a un homme de Dieu qui a dit: dimanche où tu allais à l'église, c'est devenu jour de plage, jour de restaurant. C'est toi qui es partout, on te voit. Mais à l'église, on ne te voit plus. Mon frère, ma soeur, remets-toi en cause. Peut-être que tu étais dans une situation, hein, où tu étais vraiment élevé. Tu avais un certain rang. Mais tu as été humilié. Tu vis des épreuves aujourd'hui que tu ne comprends pas. Et nuit et jour, tu passes ton temps à casser, à briser, à chasser les démons. Quelqu'un est venu peut-être te dire qu'il y a un membre de ta famille qui t'a fétiché, ou bien c'est la sorcellerie qui a fait que tu as perdu ton travail, ou que tes commerces ne vont plus de l'avant.
Mais toi-même, est-ce que tu t'es remis en question? Le Seigneur l'a dit dans cette parole. Israël sera esclave du roi d'Égypte pour qu'il comprenne c'est quoi la différence entre me servir, moi qui suis Dieu, et servir le monde. Là où tu es, ici et maintenant, le Seigneur te dit, regarde. Regarde à ta vie. Regarde où tu étais avant. Regarde ton passé. Remets-toi en cause. Regarde. Regarde. Le Seigneur te dit, regarde. Fais la différence. Le Seigneur te dit, fais la différence. Quand tu servais le Seigneur, comment était ta vie? N'étais-tu pas heureux? Même si tu n'avais pas assez d'argent pour vivre, même si tu n'avais pas tout le bonheur du monde, n'étais-tu pas heureux? N'avais-tu pas la paix dans ton cœur? Et regarde maintenant que le Seigneur t'a élevé. Il t'a donné un bon travail. Il t'a donné une épouse, un époux. Il t'a donné des enfants. Ton commerce prospère. Tu as une belle maison. Tu as tout ce que tu veux. Mais qu'en est-il de ton intimité avec Dieu? Est-ce que ta richesse te rend vraiment heureux? Nous sommes dans ce mois de novembre et d'ici là, nous allons entrer dans le temps de l'Avent, ce temps qui nous permet de nous préparer à la naissance de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur veut déjà t'aider à te préparer à ce temps en te remettant toi-même en cause. Remets-toi en cause. Regarde ta marche avec le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Et demande-toi où est-ce que tu en es. Peut-être que ce que tu vis en ce moment est dû à un péché que tu as commis dans le passé. Est dû à une alliance, une promesse peut-être que tu as faite au Seigneur et que tu n'as pas tenue. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu fasses la différence. Et le Seigneur veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Bien-aimé, de là où tu es, reviens au Seigneur de tout ton cœur. Tu peux déjà commencer à demander pardon au Seigneur. Un pardon sincère. Un pardon du fond de ton cœur. Vous savez, parfois quand on va à la confession, on pense que on se confesse au prêtre. Mais ce n'est pas le prêtre qui est là. C'est Dieu qui est là à travers ce serviteur. Et si ici et maintenant, tu n'as pas l'occasion d'aller voir un prêtre pour te confesser, mais tu peux déjà au fond de ton cœur, toi tu sais ce que tu as fait, tu sais par où tu es passé, et tu sais ce que Dieu a fait pour toi, et tu sais comment tu te comportes avec Dieu. Le Seigneur te dit, regarde, fais la différence. Alléluia. Reconnais que tu es allé loin et reviens à ton Créateur. Élevons la voix, demandons vraiment au Seigneur pardon. De là où tu es, même si tu ne peux pas parler à haute voix, au fond de ton cœur, dis Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil. Seigneur, pardon parce que le travail que tu m'as donné, je l'ai pris pour acquis. Et j'ai commencé, Seigneur, à m'enorgueillir au point de regarder les autres comme des malheureux, des misérables. J'ai commencé à mépriser, Seigneur, les gens autour de moi parce que j'ai pensé que j'étais arrivé. Seigneur, je te demande sincèrement pardon parce que le mariage que tu m'as donné, j'ai commencé, Seigneur, à me croire au-dessus des autres. Seigneur, je te demande pardon parce que tu m'as donné, Seigneur, une voiture, une maison, un certain rang. Seigneur, tu m'as élevé. Et j'ai commencé, Seigneur, à penser que j'étais meilleur que les autres. Oh, Seigneur, viens briser l'orgueil en moi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où, de par mes paroles, mes actes, Seigneur, j'ai eu à tenir des propos qui ont blessé les autres. Seigneur, pardon pour mon manque d'humilité. Pardon, Seigneur, pour mon manque d'humilité. Seigneur, je te demande sincèrement pardon, papa. Merci, Père. Merci. Pour les médisances, les jalousies. Merci. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, avec mes amis, nous nous sommes réunis.
pour critiquer les autres. Pardon, Seigneur, pour tous les mauvais coups que nous avons faits à nos voisins, à nos amis, à nos contacts, Seigneur, à tous ceux qui sont autour de nous. Peut-être que nous avons maudit quelqu'un. Et à cause de cela, aujourd'hui, nos vies sont bloquées. Seigneur, prends pitié de nous. Nous revenons à toi, Seigneur, d'un cœur sincère. Oh, Papa, si tu retiens nos fautes, qui subsistera devant toi, Seigneur? Personne. Qui subsistera devant toi, Seigneur? Personne, Papa. Personne. Nous te demandons humblement pardon pour toutes nos fautes, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes allés loin, Seigneur. Mais à travers les situations de nos vies que nous traversons en ce moment, Seigneur, à travers ta parole aujourd'hui, nous avons compris ce que c'est que la différence entre te servir et servir le monde. Te servir, Seigneur, et servir nos propres penchants. Seigneur, prends pitié de nous. Je suis si faible et mon péché me surplombe. Près de toi, maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Je suis si faible et mon péché me surplombe. Loin de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph à mon secours. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph. Seigneur, je ne peux rien. Seigneur, je reconnais au plus profond de moi combien, Seigneur, j'ai été orgueilleux, orgueilleuse, Seigneur, à cause de mon rang, à cause de ma situation. Seigneur, nous sommes allés jusqu'à être même orgueilleux envers toi, Seigneur. Seigneur, nous avons rompu notre alliance avec toi. Nous te demandons simplement pardon, Père. Nous te demandons humblement pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, Seigneur, nous n'avons pas été capables d'aimer, d'accomplir ta parole, Seigneur. Pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons laissé les richesses de ce monde, les biens de ce monde, Seigneur, nous conduire au lieu de nous laisser conduire par toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Le mal que je ne veux pas réaliser, c'est cela que je fais. Le bien que je veux réaliser, je n'arrive pas à le faire. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph à mon secours. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph est à mon aide. Seigneur, aide-moi.
fille, tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu et nous, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas laisser le péché nous éloigner de toi, Père. Nous ne voulons pas laisser le péché détruire, Seigneur, ce que toi tu as mis en nous. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de notre monde, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de nos faiblesses, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de nos limites, de nos lamentations. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux et de toutes celles, Seigneur, qui sont devenus accros à l'alcool. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui sont devenus, Seigneur, addicts à l'alcool. Seigneur, tu as créé l'homme digne. Tu as créé l'homme, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui se sont donnés à l'alcool et qui, Seigneur, n'arrivent plus à s'en détacher. Seigneur, nous te demandons humblement pardon pour eux. Seigneur, nous te demandons humblement pardon pour tous ceux-là, Seigneur, qui n'arrivent plus, Seigneur, à se libérer du pouvoir de l'alcool. Seigneur, libère-les. Libère-les, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Pardon, Seigneur. Prends pitié de nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les avortements qui ont été commis dans ce monde. Seigneur, pardon pour tous les avortements. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons conseillé à quelqu'un d'avorter. Pardon pour toutes les fois où nous avons cautionné, Seigneur, l'avortement. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre monde, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, pardon pour tous les mariages qui ont été détruits à cause de l'infidélité, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne sépare pas ce que toi tu as uni. Mais Seigneur, nous avons été séparés parce que nous avons été infidèles. Pardon, Seigneur, pour tous ceux-là qui ont commis l'adultère. Pardon pour toutes les infidélités qui ont détruit les familles, Seigneur. Père, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces infidélités. Pardon, Seigneur, pour toutes les violences conjugales. Seigneur, pardon. Pardon pour les mépris, Seigneur. Pardon pour les enfants, Seigneur, qui n'ont pas été aimés. Pardon, Seigneur, pour les parents qui ont blessé leurs enfants. Et Seigneur, ces enfants souffrent de ces blessures jusqu'à ce jour. Toi qui es là en ce moment, tu as été blessé peut-être par une parole venant de ton père ou de ta mère, ou un geste de tes parents qui t'a vraiment offensé. Et tu as grandi avec. Tu as toujours cette plaie dans ton cœur. Tu as toujours cette plaie. Tu en veux à ta mère. Tu en veux à ta mère. Tu en veux à ton père. Mais le Seigneur te dit de pardonner. Et le Seigneur te demande, toi là où tu es, demande pardon pour tes parents. Demande pardon pour ton père, pour ta mère. La personne qui t'a blessé, demande pardon. Même si la personne n'est plus de ce monde, demande pardon au Seigneur. Et laisse le Seigneur guérir ton cœur. Oh. Libère nos vies, Seigneur. Libère nos vies, Seigneur, de toutes les rancunes. Seigneur, qui nous ont liés. Qui nous ont empêchés, Seigneur, d'être épanouis. Oh. Pardon pour le meurtre, Seigneur. Pardon pour l'envie, la jalousie dans les cœurs. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où le monde a augmenté le poids du fardeau que tu portes pour nous.
fardeau de nos péchés que tu portes pour nous. Pardon pour toutes les fois où, Seigneur, oh, pardon, Seigneur, le monde ne t'a pas reconnu. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Révèle-toi pardon, encore Seigneur, à eux. Pardon, 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 Seigneur. Pardon, Seigneur. Alléluia. Pardon, Dieu, pardon, pardon, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-nous. Oh, Seigneur, pardon. Pour toutes les exactions qui ont été commises à cause de la soif du pouvoir, Père. Pardonne-nous, Père. Seigneur, pour toutes les fois où nous avons eu à critiquer les hommes que toi-même tu as choisis. Pardon pour toutes les fois où nous avons eu, Seigneur, à douter de ta présence dans la vie de tes serviteurs, dans la vie des prêtres, dans la vie des évêques, dans la vie du pape, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous les avons critiqués. Parce que, Seigneur, nous savons que c'est toi qui les as choisis. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les murmures. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour la calomnie. Pardon pour la médisance, Seigneur. Pardon pour les mensonges. Oui, Seigneur, parce que chaque fois que nous mentons, nous savons que nous ne t'appartenons pas, parce que tu es le Dieu de vérité. Pardon, Seigneur. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux. Seigneur, tu connais le fond de mon cœur et tu sais que j'ai envie de te servir. Jésus-Christ, je veux marcher dans la sainteté. Mais Seigneur, la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible, Seigneur.
Oh, je dépose à tes pieds tous mes soucis, tous mes fardeaux, toutes mes rancunes, tout ce qui m'empêche, Seigneur, de te servir, tout ce qui m'empêche, Seigneur, de pardonner, tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'aimer, tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'être vrai, tout ce qui m'empêche, Seigneur, de marcher en esprit et en vérité. Oh, Papa, prends pitié de moi. Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Je dépose tout devant toi. Seigneur, je n'ai rien, je ne suis rien. Oh, fais quelque chose pour nous, Seigneur. Fais quelque chose pour tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Oh, pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Parce que ton fardeau est léger. Pitié, Seigneur. Parce que, Seigneur, toi-même, tu nous demandes de nous décharger devant toi. Que tes vives, oh, que tes vives. Inonde mon âme de ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Situation ne va rien changer à cette situation, mais si tu confies cela à ton Seigneur, si tu confies cela à Jésus-Christ, lui qui a tout crucifié pour nous, lui qui a tout pris sur lui, là tu vas te sentir léger, tu vas te sentir légère. J'aimerais te demander de tout simplement abandonner. Tu ne peux rien, tu n'as pas assez de force. Laisse tout simplement, laisse-toi aller, dépose tout, tu ne peux pas, dépose tout, confie, dépose tout, laisse ce sac pèse à ton dos, tu risques de tomber, laisse tout, abandonne-toi. Regarde-le, il a été élevé à la croix. Et c'est de cette même manière que toutes tes inquiétudes, toutes tes peurs, toutes tes angoisses, toutes tes préoccupations, il les élève à la croix. Regarde-le tout simplement et dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je te laisse tout. Seigneur, je t'abandonne tout. Tout ce qui est dans mon cœur, Seigneur, je dépose. Amen. Dis-le-lui avec un cœur sincère. Amen.
en regardant à sa croix. Tout à tes pieds, Jésus. Nous et tu te sentiras léger. Nous déposons tout à tes pieds, Jésus. Alléluia. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir pris nos fardeaux. Merci d'avoir pris sur toi, Seigneur, nos péchés, nos offenses, Seigneur. Nos défauts, Seigneur. Ce que nous avons du mal à laisser, à abandonner. Et nous te bénissons de ce que tu es venu régner dans nos cœurs. Tu es venu régner, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, est un nouveau départ. Aujourd'hui est un nouveau départ, Seigneur. Un nouveau départ est possible avec toi, Seigneur. Un nouveau départ est possible avec toi. Aujourd'hui, nous commençons, Seigneur, une nouvelle aventure avec toi. Une nouvelle histoire avec toi. Et nous te supplions, Seigneur, viens régner. Règne en nous, Seigneur. Règne au milieu de nous. Règne dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Oh, règne, Seigneur, notre Dieu. Règne dans nos familles, Seigneur. Règne dans le monde, Seigneur. Règne dans le Sénégal, Seigneur. Règne, Seigneur, dans le monde entier. Règne dans les cœurs de tous ceux qui t'adorent. Règne dans les cœurs de ceux qui ne t'adorent pas. Règne dans les vies, Seigneur, de ceux qui te cherchent là où tu n'es pas, Seigneur. Oh, Seigneur, sois élevé. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ta miséricorde. La Bible déclare, il a pris sur lui toutes nos maladies. Amen. Il a pris sur lui toutes nos souffrances, toutes nos angoisses. Alléluia. Il a porté sur lui tous nos chômages. Il a porté sur lui tous nos célibats. Amen. Toutes les situations par lesquelles nous passons, où nous n'arrivons pas à trouver une issue, il les a portées sur cette croix. Amen, Seigneur. Et Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voulons te dire merci. Merci, parce que nous savons, parce que nous croyons, Seigneur, que tu as crucifié toutes ces situations sur ta sainte croix. Amen. Et pour toutes ces personnes-là qui sont en train d'hésiter, je veux leur dire, n'ayez pas peur. Amen, Seigneur. N'ayez pas peur parce que sur cette croix, tout a été accompli. Amen. Dites juste merci, Seigneur. Merci, dites juste merci, Seigneur. Merci, dites Seigneur. Juste merci, Seigneur. Merci, parce qu'il Seigneur. A tout accompli sur Alléluia. Cette croix. Alléluia. Parce qu'il a tout accompli oh. sur cette croix. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Toi qui règnes. Toi qui règnes. Toi qui règnes dans nos vies. Toi qui règnes dans le ciel, sur la terre. Même jusqu'au fond des abîmes, Seigneur, tu règnes. Dans nos cœurs, Seigneur, tu règnes. Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, tu règnes, Seigneur. Sur nos épreuves, Seigneur, tu règnes. Parce que tu as le dernier mot, Seigneur. Tu as le dernier mot. Le malin peut tout faire, mais tu as toujours le dernier mot, Seigneur. Parce que ce que tu as écrit dans ton livre de vie, le malin ne peut pas l'effacer. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, notre roi souverain, Seigneur. Souverain, nous voulons proclamer que tu es souverain. Nous voulons fléchir les genoux devant toi parce que tu es roi, parce que tu es souverain, Seigneur Jésus. Toutes ces situations que nous t'avons déposées, que nous avons déposées devant toi, Seigneur Jésus, trouve leur issue maintenant. Merci, gloire, honneur et puissance à l'agneau. Merci, roi des rois. Gloire, honneur et puissance au roi des rois. Gloire et louange à toi. Nous aimons. Gloire et louange à toi. Avec les anges et les puissants. Celui qui est assis sur le trône. Tu es roi. L'agneau. Souverain là-haut sur la terre. Jésus. Merci Seigneur. Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'ouvrira. Merci Seigneur. Alléluia. S'ouvrira. Oh, merci Jésus. D'avoir amené nos cœurs à toi. Merci d'être, Seigneur, le souverain de nos vies. Seigneur, ne nous laisse plus aller loin de toi. Oh Seigneur, prends-nous dans tes bras, serre-nous fort dans tes bras, Papa. Même si, Seigneur, nous sommes tentés de nous éloigner de toi, Seigneur, ne nous laisse plus jamais aller loin de toi. Ne nous laisse plus jamais nous détacher de toi, Seigneur, car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci. Merci pour ce temps passé en ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci, merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous scellons tout dans ton sang précieux, Jésus. Et nous te disons merci, Seigneur, qu'il te plaise de bénir tous tes enfants qui sont connectés, même ceux qui vont suivre en différé. Seigneur, bénis puissamment tes enfants. Que personne, Seigneur, ne se sente lésé. Que personne ne soit laissé à l'écart. Que chacun reçoive sa part de bénédiction. Selon ce que toi tu as prévu, Seigneur, pour lui, pour sa vie, pour sa famille, Seigneur, pour le monde entier, Seigneur. Et que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'adoration. Et nous vous disons merci, vous qui nous suivez. Nous rendons toute la gloire à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour le chemin que vous faites avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qui nous permet de prier. Peut-être que dans la journée, depuis le matin jusqu'à 7 heures, tu n'as pas eu le temps de prier. Et tu peux déjà remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous garde et nous protège jusqu'au mois prochain, où nous allons encore élever le nom de notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.